Je crois que c'était hier matin qu'il faisait si frais dans l'appartement, puisque j'ai pris l'habitude de dormir avec les fenêtres ouvertes pour aérer, que j'ai dû prendre mon petit déjeuner avec un plaid sur les genoux. J'ai même pu savourer un café bien chaud. J'ai fini la dernière saison de Yu-Gi-Oh! Duel Monster et j'étais tellement triste. Quand je vous dis la dernière.
Ça m'a donné beaucoup d'inspiration pour faire de nouveaux produits. Et c'est à la fois un cadeau et à la fois une malédiction. Parce que j'ai envie de faire des badges avec la plupart des personnages. Et quand je dis la plupart, c'est pratiquement tous les personnages parce que je les aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, sauf certains personnages qui, je trouve malheureusement, sont pas exploités de la bonne façon, qui nous donnent envie de s'attacher à eux. Je parle surtout d'Anzu. Puisque je parle de Yu-Gi-Oh, je vais vous montrer cette petite boule à neige avec une pyramide. Thank you.
pense que je dessinerai aussi la Valisienne des Ténèbres parce que je sais que c'est un personnage populaire, même si moi je ne lui accorde pas spécialement d'intérêt. Je préfère de loin Kuribo. J'apprécie cette petite boule de poil. J'avais oublié que ce truc ne faisait pas de bruit contrairement au verre. Je me tire les cartes en général. J'ai toujours peur d'être biaisée par mon propre ressenti. De ne tirer que les choses que j'ai vraiment envie de tirer plutôt que celles que je suis supposée tirer. Cela dit, ça fait un moment que je n'ai pas tiré de cartes. Je pense qu'il faudrait que je m'y remette. Thank you.
suis navrée, je sens que je suis fatiguée, je n'arrête pas de bâiller. Désolée. Alors elle peut mettre en lumière une attitude mature où les excès sont freinés et les émotions extrêmes tempérées. Lorsqu'elle est dirigée en même temps que la justice, elle peut évoquer un jugement bienvenu. Avec les amoureux, elle peut révéler une communication fructueuse et la résolution d'un conflit à la satisfaction des deux parties. Je ne sais pas. En tout cas, j'espère que vous arrivez quand même un petit peu à vous détendre. C'est en partie ma faute si jamais vous n'y arrivez pas, parce que j'ai commencé cette vidéo sans plan en tête. J'étais même partie pour ne pas faire de live ce soir, parce que je n'étais pas dans le mood, parce que j'avais journée un petit peu stressante. Au final, il ne s'est pas passé grand chose, mais j'étais dans ce qu'on appelle un état d'hypervigilance à attendre que quelque chose de mal se passe.
plus le fait que c'était un bonbon. J'ai vraiment du mal avec les goûts du bonbon. J'apprécie les fraises Tagada, par exemple, ou les bananes éventuellement. Mais sinon, les bonbons sont très très rarement dans mes favoris quand il s'agit de grignoter. Et pourtant, j'adore tout ce qui est sucré. Aux personnes qui n'acceptent pas ce chip. Ce que j'ai trouvé d'ailleurs extrêmement drôle, c'est que il y avait donc du drari et il y avait un autre gâteau qui s'appelle le Wolf Star. Pour ceux qui ignorent ce qu'est le Wolf Star, il s'agit du nom du chip attribué à Remus Lupin et à Sirius Black. Et ces gâteaux sont de récurrents dans leur boutique. Souvent, ils testent d'autres recettes. Par exemple, il y avait un gâteau qui s'appelle le Georgelina pour George et Angelina. Je crois même qu'une fois, il devait y avoir un gâteau qui s'appelait le Hermione, si je ne me trompe pas. Mais je trouve ça extrêmement drôle de ne pas avoir vu de gâteau pour Harry et Ginny. Personnellement, ce n'est pas un chip que j'apprécie. Parce que je le trouve trop forcé. Sachant que pendant la plus grande partie de l'histoire, Harry considère Ginny comme sa petite sœur. À la rigueur que Harry trouve un intérêt romantique envers Hermione si on veut vraiment faire du chip hétéro plutôt qu'envers Ginny. Voilà. Chip au mot romantique que j'ai chipé de toute ma vie.
fameuse réplique qui dit que Harry était de moins en moins obsédé par le Quidditch et de plus en plus par Draco Malfoy. Voilà, voilà. Si je m'écoutais, je pourrais parler de Chip absolument toute la soirée. Mais j'ai envie que cette vidéo reste un endroit où vous puissiez vous sentir à votre aise. Et comme les Chip sont quelque chose d'extrêmement personnel, certaines personnes pourraient se sentir mal à l'aise d'entendre parler de personnages qu'ils n'apprécient pas de façon romantique. Je me dis que j'aimerais bien faire du roleplay en ASMR. Mais il me faudrait des idées. Et aussi, le problème c'est que parfois certains roleplays nécessitent plus d'installation au niveau du décor. Par exemple, si j'avais envie de faire un roleplay spa, ce serait des petits bouts de stylo dans le nez, ça chatouille. C'était une mauvaise idée de me frotter le nez avec. Je pense que je ne vais pas rester très très longtemps ce soir. Je pense que je peux déjà m'applaudir moi-même d'avoir fait le live à l'heure.
J'espère quand même que vous passez une bonne soirée et que vous avez également passé une bonne journée et que votre nuit sera agréable. Je vous souhaite de faire les plus doux de tous les rêves et de trouver le sommeil le plus rapidement possible, car vous méritez d'être dans la sérénité et dans le bien-être. Je vous envoie tout plein de bonnes énergies.